Les gars, vous faites quoi là? C'est la merveille photo! Bonjour à toutes et à tous! C'est Dark. J'espère que vous allez tous très bien. Jolie nouvelle vidéo sur la chaîne Aomawe. Ça fait longtemps! Bon, du coup, comme ça fait longtemps, je vais vous faire un petit ASMR spécialement dédicacé à Belloum. Alors, j'ai les gâteaux. Voilà. Allez. On raroche le micro. Ah. Ça, c'était un petit morceau de bourbon. Voilà. C'était génial! C'était génial! Bref, vous n'hésitez pas à lâcher un like pour ce petit ASMR. Voilà, bref. Ça fait longtemps, j'ai une petite vidéo un petit peu à la cool. Voilà, on se calme. Voilà, on fait un truc bien. Bref, donc aujourd'hui, bah écoutez, on va parler de la Paris Games Week. Alors avant ça, on va commencer par le gameplay. Alors, le gameplay. Alors, c'est Mika qui nous a fait un gameplay sur la map Nuketown. Le truc, c'est que c'est n'importe quoi dans le truc des commentateurs. C'est-à-dire que moi, je vois double nucléaire encore, Razorback combine. Et là, je suis sur un gameplay sur Nuketown. Alors. À moins que j'ai pas suivi le jeu, vraiment pas, et que Nuketown c'est devenu combine, je ne pense pas que ça soit ça. Donc, je vais laisser la liberté à Mika de mettre dans l'espace commentaire ce que c'est. En tout cas, bref, vous n'hésitez pas à liker, c'est une petite vidéo à la cool, hein. Bref, voilà, tout simplement. Il faut que je tienne pas très. Faut pas que ça soit très long, parce que le gameplay dure 5 minutes 37, donc je dois pas dépasser ça. Bref. Je vais parler de la Paris Games Week, comme vous savez, c'est bientôt. C'est dans, je crois, dans 2 semaines, c'est les vacances, donc c'est la 2e semaine de la Paris Games Week. Si je me trompe pas. Oui, je ne suis absolument rien. Je le précise, entre Call of, tout ça, moi je suis perdu. Bref. Donc, moi ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous y allez, déjà. Est-ce que c'est proche de chez vous? Est-ce que vous comptez y aller avec des potes? Nous, là, on my way, on compte y aller. Alors, pour rien vous spoiler, on va être un petit peu hype, tu vois, dans le tas, t'as vu, on va avoir les petits posts, bref, t'as compris, bref. Donc, on va avoir un petit truc assez classe, on va vous vlogger tout ça. On remercie encore une fois Glorifer Gamer pour nous permettre de, bah, tout simplement, de pouvoir profiter de l'événement comme, bah, comme on va pouvoir le faire. On va vlogger tout ça, on va, je pense, interviewer certains youtubeurs. Donc j'aimerais aussi savoir quel youtubeur vous voudriez qu'on aille voir. Parce que certains, l'année dernière, on est allé, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Check, je la mettrai dans la description. Justement, Paris Games Week 2016, donc, non, 2015, voilà, 2015. Là, on avait croisé au carré VIP parce qu'on était un peu hype, t'as vu, Skyros, Monsieur le V12, Saxy, la meuf de Sky, pas de Skyros, la meuf de Monsieur le V12. Hugo posait, bref, tout le monde était à côté de nous. Donc, et même Squeezie d'ailleurs, on lui a parlé. Bon, cool, hein. Bref. Donc, vous n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire quel youtubeur vous voudriez qu'on aille voir. Ce qu'on va faire, moi je pense qu'on va faire un truc. On a déjà une idée, moi et Check, de quelque chose de plutôt pas mal. On va mettre un hashtag. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que quand on va mettre le hashtag en place, on va le dire dans une vidéo. Moi, ce que j'aimerais, ce serait que vous tous, lorsque vous tweetiez pour la Paris Games Week, vous mettez l'hashtag. C'est important, comme ça, ça va peut-être, je ne dis pas que ça sera directement le cas, mais peut-être en top tendance. Voilà, en top tendance, ce serait pas mal. Donc, ce sera Check, je pense, qui vous expliquera le concept, parce que même moi, je suis du père avec ce qu'il a dit. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce serait une question que vous voudriez que je pose, moi, personnellement, parce que ce sera très drôle, parce que si c'est Check, bon, c'est moins drôle. Si c'est Belloum, je sais pas si vous avez vu à quoi il ressemble, mais ça va être encore plus drôle. I love you, Belloum. This ASMR before is for you. Bref, non, was for you. Mon anglais est ouf. Bref, donc vous me dites dans l'espace commentaire quel youtubeur vous allez voir, que vous vouliez que j'aille voir, et surtout, quelle question vous voulez que je lui pose. Ça peut être n'importe quoi. S'il vous plaît, pas de trucs du style ouais, alors tu baisses combien de fois ta petite meuf. Bref, parce que si c'est pour des blagues de puceaux, c'est pas drôle. Mais un truc un peu, pas forcément intéressant, hein. Ça peut être vraiment combien de bananes manges-tu par jour, tu vois. Ça peut être de la merde, hein. Mais au moins, je veux un mot, une phrase, peu importe, mais un truc qui fait que je dois poser la question. Voilà, tout simplement. Je pense avoir tout dit. On va vous filmer tout ça. On va vous vlogger tout ça. Moi, j'aimerais savoir aussi si vous y allez. Si vous y allez, vous nous dites à peu près chaque jour où est-ce que vous êtes. On va organiser peut-être des rencontres pour ceux qui sont là. Ce sera marrant. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des goodies. Donc, n'hésitez pas à venir avec de l'argent dans vos poches lorsque vous serez à Paris Games Week. Parce que
On est désolé, mais voilà, dédicace, c'est payant avec nous, voilà. Même une photo. Photo, on commence à mettre les tarifs en place, ce serait autour des 5 euros. Bisous de la part de Belloum sur la joue, c'est 10 euros. Check qui fait la pute, bon bah c'est 50 centimes. Enfin voilà, vous n'hésitez pas à ramener de l'argent avec vous, et puis voilà. Hein. Bref, je vous dis à la prochaine pour une suite de la vidéo. Vous n'hésitez pas à vous abonner à Mika. Ne vous abonnez absolument pas à ma chaîne. Et voilà. Tchuss.